nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est vendredi et c'est le retour de course, mais je ne suis pas toute seule aujourd'hui. Vous l'aviez deviné la semaine dernière que Jeannette allait être avec moi, parce que si vous suiviez régulièrement les vidéos, vous savez qu'il était en vacances. Avant de commencer, petite chose, notre voisin est toujours en train de bricoler derrière sa maison. Il m'a réveillé à 7h30 du matin d'ailleurs. Donc du coup, vous allez entendre le bruit de je ne sais quel outil. Je rectifie. La pelleteuse t'a réveillé à 7h30. La pelleteuse, oui. Donc bref, donc du coup on a été faire les courses tous les deux et on va vous présenter un petit peu tout ce qu'on a acheté comme d'habitude. Hein. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, d'habitude je fais mes retours de courses toute seule, mais là mon homme est en vacances. Alors du coup, on fait ça ensemble. Hop, menu, menu de la semaine. Alors, pour ceux qui ont l'habitude, du coup là cette semaine vous verrez pas ce qui est posé là, parce que autrement faut Jeannette qui est hors cadre, hein, donc à un moment donné il faut choisir. Hein. À moins que je me mette là, comme ça. Non, d'habitude le caméscope est tourné comme ça. Oui, je sais. Donc, voilà. Donc on y va pour le repas. Donc ce midi, on vous dit pas, vous allez voir ce qu'on s'est acheté pour manger. C'est surprise, ça fera plaisir à pas mal d'entre vous. Ce soir, ça sera une omelette avec des petites tomates à côté, un reste de salade, enfin bref, ce qu'on a et tout, un peu de pâte peut-être, bref, on verra bien. Parce que ma maman est à la maison. Demain midi, c'est des sandwichs parce qu'on va à Center Parcs toute la journée. Avec la puce. Dimanche midi, banzai noodle plus pâte avec une petite sauce de légumes verts que j'ai prévu pour Juliette parce que c'est le seul moyen de lui faire manger des légumes verts. Oui. Non, je crois que tu voulais dire quelque chose. Absolument pas. Dimanche soir, tarte tomate mozza. Lundi midi, qu'est-ce qu'on s'est acheté? Je ne sais plus. Bon, bref, on verra bien. Le soir, c'est pizza comme d'habitude. Mardi, végétarien avec des frites de pommes de terre pour Jeannette et pour Juliette et patates douces pour moi. Le soir, salade de surimi, pommes, avocat, riz. On avait déjà essayé ce genre de truc, je crois. Et enfin, t'aimes bien? Ouais. On t'a perdu en fait. Non. T'écoutes. Mercredi midi, c'est les restes, donc pizza pour nous, le reste de tarte tomate de mozza pour Juliette, le soir on mange des lentilles, et le jeudi et le vendredi, on est à Disney, donc pour le jeudi midi, on a acheté des sandwichs tout faits pour Disney, donc je vous le dis maintenant, tout de suite, j'ai déjà dit sur Instagram, il n'y aura pas de retour de course vendredi prochain, mais il y en aura un le samedi. Quand j'en sais rien, parce que je risque d'aller faire les courses dans l'après-midi, puisque on aura passé deux jours à Disney, qu'on sera rentré tard. Oui. On va être dans le fion. Hein. Donc, du coup, voilà, ne me harcelez pas de message, ça sert à rien. Il n'y en aura pas. J'ai mis mes plaques en route avant cette année. Il n'y aura pas de retour de course vendredi prochain. On y va? Oui. Tu veux pas les verrouiller? Non, c'est bon. Allez, c'est parti. Déjà, faut que je trouve le sac qu'on a mis surgelé dedans. Alors, on commence avec les surgelés, avec donc frites de patates douces pour moi. Et frites allumettes. C'est là, chacun ses frites en fait. Hein, c'est ça? Chacun ses frites. Allumettes. Non, non. Chacun ses frites. Chacun ses frites. Bon, les patates douces, c'est pas trop mon truc. Ah, moi j'adore ça, c'est une tuerie. Je vais peut-être en manger un peu ce midi d'ailleurs, on va voir. Je trouve ça trop sucré. Après, il y en a qui m'ont dit qu'ils ont goûté, ils n'ont pas aimé. Hein. Toi, tu sales un petit peu en sentant le cuisson? Un chouïa. J'aime bien le sucré salé. J'adore. C'est ça qui est bon. Et pommes allumettes, donc c'est les pommes frites qui se cuisent. Oh punaise, j'ai pris que des. Attends, j'ai pris que qui se cuisent en friteuse, au moins je me suis plantée. Ah, et bim. Bah c'est pas marqué en fait. Il y a juste le. Il y a le schéma de la friteuse là. Oups. Tourne. Ouais, j'ai fait. J'ai pas pris les pommes au four, j'ai pris les pommes allumettes à la friteuse. Non, on les prend au four quand même, parce que j'en avais déjà fait une fois, c'était bon. On verra bien. On fera un test. Même sans vous, j'avais. Ensuite, son jus sera peut-être meilleur. Bah c'est pour ça, on va voir. Elles sont peut-être plus cuites, on verra bien. Les steaks végétariens, ils étaient en promotion sur Shopmium, donc du coup voilà, c'est ceux-là. Steak végétal, le classique soja et blé, on les a jamais goûtés ceux-là encore. Non, je crois pas. C'est du soja et blé. Oui, mais on les a jamais goûtés, ça je te dis. Avec beaucoup de colorants. Non, il n'y a pas beaucoup de colorants là-dedans. Où tu vois du colorant? Huile de tournesol, c'est pas mal. Ah si, il y a du caramel pour colorer, c'est tout. Ouais, non, là-dessus, ils sont clean au niveau de... Oignon en poudre, ouais. Ail en poudre, persil, et puis stabilisant, ouais. Donc bref, on va goûter, de toute façon, ça reviendra dans les produits finis, et puis c'est tout. Au niveau des surgelés, c'est tout, donc on range tout ça, et on vous retrouve juste après. Allez, on continue maintenant avec la suite, c'était très rapide, il n'y a pas grand-chose à ranger, donc on y va avec ça. Oh, de la pâte. De la pâte pour faire quoi? De la pâte à pizza pour les pizzas, je ne sais plus quel jour. Lundi. Oh.
Le lundi, c'est pizza. Pas pour les pizzas du lundi. Il y a l'une d'entre vous qui m'a envoyé un message en me disant qu'elle avait testé cette pâte à pizza et que c'est la meilleure qu'elle ait goûtée, donc je suis contente. Voilà, je suis très contente. Et ensuite, de la pâte brisée pour la tarte tomate mozza. C'est ça. Aïe. C'est utile aussi pour taper sur la tête de mon homme, on va dire. Ensuite, ah bah oui, c'est ça pour lundi midi. Ah bah oui, tomate mozza. On bouffe que ça. J'en peux plus. En plus, c'est dimanche soir, on mange la tarte et lundi midi, on mange ça. Et sur la pizza, elle rajoute de la mozza aussi. Mais c'est pas pour toi, t'es pas obligé d'en mettre de la mozza. Oh ouais, mais il y a la tomate, enfin, quoi qu'il arrive. Mais c'est toi qui mets des pizzas à la tomate. Bah oui. Mais moi, j'ai fait à la crème. À la crème, c'est pas une pizza. T'en fiche. Donc bref, ravioles de lustre cru, tomate mozza. Tomate basilic mozza, je vais y arriver. Ravioles, ils appellent ça des demi-lunes. C'est très compliqué de faire ça avec lui. Oui, c'est des demi-lunes. Mais tu sais qu'il y en a qui me le disent. Non, c'est pas des ravioles. Ça s'appelle des ravioles. C'est des ravioles. C'est fourré. C'est des ravioles. Tiens, il y en a un troisième. Fromage râpé. Comptez pour moi pour mettre sur la pizza. Peut-être que Jeannette va en prendre. Et gruyère IGP pour moi. Pour tout le monde. C'est du gruyère râpé, on en avait plus. En fait, maintenant on prend toujours celui-ci, on prend plus le gruyère classique parce que celui-là en fait il a un goût de fromage. L'autre il a un goût de plastique. Ouais, c'est pas faux. Il est meilleur, ouais. Alors, mais de toute façon, tant que c'est du gruyère, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tiens, le casse-pois c'est un beurre tombe. Enfin, le casse-pois. C'est pas tombé. Au pire, il va pas casser, il va s'étaler. Regarde, il est tout. Il est déjà tout abîmé dans le coin là. Bah pourquoi t'appuies dessus aussi? C'est pas marqué du tout cassé. Je te le remets. C'est du beurre tendre. Montre le bon côté. Le bon côté, il y en a pas. Mais là, c'est ça le bon côté. Donc, du beurre. Du beurre tendre, bon, du beurre. Quoi. Allez, peu importe la marque, hein, c'est du beurre. On s'en fout. Ensuite, charcuterie. Wouhou, c'est la fiesta. Je vais finir par te mettre un coup de boîte en pleine tronche. Ouais, j'y ai cru là. Ça, c'est pour mettre. Alors, j'ai ça, cru. Tiens, ça c'est pour ta fille. Ce que t'as dans les mains. Ok, jambon supérieur pour Juliette. Ouais, Juliette est pour moi. C'est pour mettre dans le sandwich de demain. Et ça, c'est, on l'a mangé la semaine dernière, on a bien aimé, du coup on en a racheté parce que la promo était toujours là. Alors Séverine, la semaine dernière, elle s'est trompée, elle pensait que c'était de la rosette, que je lui demande de prendre d'habitude, et en fait, il s'avère que c'est du salami. C'était pas de la rosette, c'est pas de la rosette, mais ça ressemblait à de la rosette, je me suis dit, ça a peut-être le même goût. Et en fait, non. Et moi, j'ai trouvé ça salami rustico. Bah, c'est un mélange entre la rosette et le salami. Le salami, ouais, c'est vraiment bizarre. C'est super bon. C'est bon. Hein. Et c'était en promo inter, c'était moins 30% de remise immédiate, donc ça va aller. C'est super bon. Ensuite! Je suis pas sûr qu'on l'ait déjà dit. C'est super bon? Ouais. C'est super bon. Alors, ensuite, on va parler sandwich. Donc, je vous ai dit, demain, on se fait nos propres sandwichs. Donc, on vous a dit qu'on allait à Disney donc en fin de semaine. Et là, on va faire les sandwichs pour Center Parcs demain. Pour Disney, j'ai pas envie. Hashtag grosse feignasse, quoi. Du coup, on s'est acheté. Alors, il y en a une, la dernière fois, qui m'a mis en commentaire. Oh, Sniff, Jeannette, il est en vacances, on va plus voir les hot dogs ou les feuilletés, ou enfin, les, comment ça s'appelle, tes roulés au fromage ou les sandwichs rosettes. Fais plaisir. Fais-leur plaisir. Regardez ce qui est revenu. Nous sommes faibles. Il est faible. Enfin, moi j'ai acheté ça, c'est pas mieux. Bon, on va partager hein, parce que c'est gros ce que j'ai pris. Non, mais au final, donc, c'est du sandwich. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le sandwich rosette cornichon de Jeannette. Hein. C'est toujours le même sandwich. Moi, j'ai pris un sandwich comme ça, Sodebo, le méga. Alors, il y a la fenêtre en face, donc du coup, vous voyez pas bien. Jambon fumé, œuf, avec de la salade. Il y en a trois. Il y en a trois gros. Je suis sûre que ma fille, elle va m'en piquer. On lui en a pris aussi pour elle, hein. Mais je suis sûre que ma fille, elle va m'en piquer. J'aiderai Séverine à finir celui qu'elle ne mangera pas. Ça. C'est sûr et certain, même. Enfin, moi, je suis capable de manger les trois, mais je vais faire attention. Alors ensuite, on va parler pelleté de yaourt. Donc, ah, on a oublié la mozza. Mozza. normalement, c'est la mozza bille. C'est celle que je mets dans ma tarte tomate mozza. Sauf qu'il n'y en avait plus. Donc du coup, j'ai acheté comme ça. Comme ça, je peux faire des cubes. C'est plus facile. Mais oui, il n'y en avait plus comme d'hab. Et d'ailleurs, en parlant d'Intermarché. Oh là. Attendez. Dossier. Je vous ai dit la semaine dernière que j'en avais ras-le-bol et que j'allais râler, que j'allais envoyer un message au service consommateur. Je l'ai fait. J'ai eu une réponse et on m'a appelé. Donc j'ai rendez-vous dans mon Intermarché mardi 11 septembre, 10h du matin, avec la responsable, pas de tout en haut parce que c'est un monsieur, c'est celle qui est juste en dessous, la responsable adjointe, et tous les responsables de rayon. Et elle m'a dit, vous allez nous dire tout ce qui va pas, c'est important pour nous et tout.
Donc, je suis ravie. Je vais pouvoir m'exprimer face au personnel d'Intermarché, leur expliquer le mécontentement que j'ai sur beaucoup de choses. Donc, bah voilà. On verra ce que ça va donner. Ah, c'est cool, c'est cool. Moi, je trouve ça bien parce que justement, ils prennent en considération ce qu'on leur dit. Donc après, on verra si ça changera ou pas. C'était pas la première fois que tu les contactais. Non, je lui avais dit, elle m'a dit, ah, mais j'ai pas eu le message la dernière fois. Ça, ça transmet une fois sur deux. Bon, non, bref. Là, je pense qu'ils ont transmis parce que t'as dit que t'avais une chaîne YouTube. Ouais, j'ai dit que j'avais une chaîne et que, bah. C'était triste de présenter les courses et de ne jamais avoir ce qu'on voulait. Bref, passons au yaourt. Douceur de lait, pour moi, le matin, comme d'habitude, avec mon muesli. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, vous avez l'habitude. Ensuite, fromage blanc pour Juliette. Voilà, pour Juliette. Hein. Jusque-là, vous avez l'habitude. C'est ça. Ensuite, lait de vache pour Juliette. Jusque-là, vous avez l'habitude. À l'ouest, rien de nouveau. C'est toujours la même chose. Le prochain coup, c'est le train s'il l'aura trois fois. Ah, on va sortir des yaourts, j'ai retrouvé les sandwichs de Juliette. Bon, il y en a d'autres au fond. Donc j'ai pris ça pour Juliette, pour Disney. Voilà. Des petits sandwichs. Blanc de poulet, mental. Parce que je sais que ça va lui faire plaisir. Parce que des fois, quand on fait les magasins, enfin, on fait les courses toutes les deux. Mais choupette. Et que je prends un sandwich pour son père le midi, elle me dit maman, moi aussi, je veux un sandwich comme ça. Donc, voilà. Ouais. Comme ça. Enfin, comme ça, quand même. Ah, c'est du pain, du poulet et du fromage. C'est ça. Le moment où on tourne, en fait, Juliette est chez sa grand-mère, donc du coup, on va aller chercher cet après-midi. Ouais. Ah bon, quand même. J'ai hésité. J'ai eu peur, hein. Mais du coup, depuis hier, on passe notre temps à limiter ce qu'elle dit. Non, il me manque. Hier soir, Séverine me dit, ça manque de bruit. Non, ce matin. Ce matin. C'est trop calme. Ce matin, c'est trop calme. Hier soir, ça manque de bruit. Bah quoi, c'est vrai. Bon allez. Elle ne sait pas profiter. Ah si, j'ai profité. Elle ne sait pas profiter. Et yaourt. Il y avait une promotion Intermarché de acheter un gratuit dans la marque Danone 1919. Ouais. Donc moi j'avais goûté que celui à la fleur d'oranger qui est là. D'ailleurs il date de cette époque. Hein. Je vous en parle pas plus parce que je vous en ai parlé dans les produits finis qui sortent la semaine prochaine. Et j'ai pris vanille. Bon, c'est classique, hein, vanille, voilà. Hein. Et l'autre au miel. Alors là, je suis curieuse d'essayer. C'est pareil, vous en entendrez parler dans les produits finis de septembre. Voilà. Alors, si elle finit par dire, bon, c'est un yaourt au miel, à ce moment-là, tu prendras peut-être des natures et tu rajouteras du miel. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Non, mais là, la promo, elle valait le coup, donc c'est pour ça. Et ensuite, il y avait une autre promotion qui a intéressé Janek. Tiens, les viennois. Donc du viennois au café et... Ceux-là, c'est les meilleurs. Et vanille sur lit de caramel. Ceux-là, c'est les meilleurs. Donc du coup, il lui fallait que 6 yaourts. Donc je me dévoue pour manger les deux qui restent là. Hors cadre. Voilà. Bah, après, il me semble qu'il reste du frais dans le sac qui est là-bas. Oh. Déjà, on va prendre les... Ah non, c'est là. C'est devant toi, c'est bon. Perdu. Donc déjà, on a acheté des œufs. Hein, on a perdu Janek. Attends. Attends, je présente les œufs et puis tu feras un truc après. Parce qu'on a une petite surprise pour vous en fait. C'était pas sur le... Ah ouais, l'effort physique est considérable. Bon, on a acheté des œufs. Alors c'est plus la marque avec laquelle je vous disais que j'achetais régulièrement et tout. Je trouvais plus par 6, maintenant on les trouve plus par 12, donc je pense qu'ils ont changé. Sauf que là, bon, c'est des petits œufs de la région qui viennent du 80. Voilà, et poules élevées en plein air et tout. Donc bon, moi ça me va. C'est des poules de phoque de la baie de Somme. C'est ça, du 80. Alors, il y en a que deux. Il y en a que deux. Il y en a quatre normalement. Ouais, mais. Ah bah ouais, mais c'est ton magazine. Hé hey oh, il est en train de mettre tout le bazar dans la cuisine. Ça, ça va être beau, tiens. J'ai regardez. Un magazine qui sert à rien. Ça vous a manqué? Ça vous a manqué? Ça vous a manqué? Tiens. Ça vous a manqué? C'est les tiens. Regardez. Hot dog. Alors là, on va les bouffer ce midi, arrête. Ouais. Ils vont être morts. Bah non, donc voilà, pour ceux et celles qui avaient peur de manquer des hot dogs et tout, ils sont là parce que moi je les adore. Et Janek il me dit, il me fait, bah t'aimes bien les hot dogs? Bah j'ai dit, ouais, bah, on prend ça pour ce midi. Ah ouais, non, je vais manger ça avec des frites. Je lui ai dit, prends-toi ça pour ce midi. Et moi je cherchais autre chose. Et puis il a pris les hot dogs. Pour vous. Voilà. Parce que je lui ai dit, tu sais, je lui ai raconté qu'il y en a, il allait me dire que ça allait leur manquer parce que tu travaillais pas. Enfin, parce qu'il travaillait pas. Et il m'a dit, oh bah puisque enfin, c'est comme ça, je vais me dévouer. C'était soit les hot dogs. Soit les pasta box. Soit la pasta box au fromage. Donc, de toute façon, vous l'auriez vu quand même. Donc, bref, les hot dogs. Tomate mozza, j'allais dire. Cadeau. On va aller me coucher après. Tiens, attends, on n'a pas présenté ça. Ah. Tiens, ça c'est pour toi, ça. Ça te t'en achètes tellement. Ah bah tiens, tu l'as posé et puis bah, oui. Je l'ai plus vu. Bim. Camembert. Du camembert, il a l'air un peu fait, c'est impeccable.
Ah, il commence à puer des pieds, ouais. Mais il y en a une qui va être contente. Hein. Elle aime le fromage qui pue, ouais, comme elle voilà. dit. C'est tout en frais? Non, c'est tout. C'est tout, faut ranger le frais. Après, ça, ça va pour frigo. Oh, trop bien. Je dois l'éclater. Ah, mais c'est quoi ce retour de course? Bon, bref, on a terminé avec les produits frais. Donc maintenant, il va falloir caser tout. Vous voyez pas, en fait, j'ai une énorme, j'ai une pile de yaourt comme ça. Il va falloir caser tout ça dans le frigo et on vous retrouve après pour la suite. Allez, on continue avec la suite. Je peux vous dire que dans le frigo, c'était triste. Hein. On y va? Après tout, j'ai n'ai qu'à les sacs. Juste vous dire avant, on a acheté de la litière pour le chat. Le paquet est déjà à l'entrée. On n'a pas envie de le ramener là. Donc voilà, ouais. tout, comme d'hab. Ensuite, ah, le pain viennois, ce coup-ci. Ouais, on va s'en servir pour faire des sandwichs. Ouais, de demain. Ouais. Les sandwichs de demain, Juliette aime bien le pain viennois, et nous aussi. Tout à fait. Tout à fait. Alors ça. Et mon Leslie d'amour. Ah, j'ai pensé à vous, quand Yannine m'a dit, François, fais du stock, fais du stock. Il y en avait plus qu'un. C'était le dernier. Il est défoncé. On veut bien faire du stock. Hein. Bien faire du stock. Quand il y en a. Non mais c'est pas grave, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon muesli d'amour que j'adore par-dessus tout. Voilà, c'est celui-ci, il est très très bon et je le change pas. Hashtag bonheur de Juliette. Elle va être contente. Les petites lentilles. Saucisse aux lentilles. Format familial s'il vous plaît, parce que maintenant elle mange la portion d'une... Pas forcément la portion d'une personne, mais elle mange... Ça c'est pour moi, ça c'est pour Séverine, et le reste pour Juliette. T'es abusé. J'en ai qui mangent toujours plus que moi, mais faut pas abuser quand même. Quoi? Quoi? Ça c'est pour quand on est malheureux, voilà. Juliette va rentrer à l'école, non c'est trop loin, je le ferai le jour ou pour tous les jours avec Juliette. Non, c'est... Juliette est une grande consommatrice de mouchoirs. Les couches. Alors, on a déjà enlevé la couche de la sieste. C'est une réalité. Mais il en faut pour la nuit parce qu'elle se sent clairement pas prête, donc c'est pas la peine de l'embêter plus que ça. Alors retourne dans l'alimentaire. Ah, des chips. Des chips à l'ancienne, hein, pour compléter. Je suis coincée. Voilà. Oh putain! Prends-le parce que moi j'ai d'autres trucs. C'est pour le pique-nique de demain et le pique-nique de Disney, mais on a encore des restes de chips hein, avec la dégustation qu'on a fait. Des galettes bretonnes, on a pris ça, c'est principalement pour Juliette. Éviter de se trimballer du chocolat quand il fait super chaud parce que ça fond, c'est chiant. C'est ça, donc c'est pour les goûter bah, à Center Disney. Quoi. Voilà, donc. Elle aime ça. C'est du pur beurre, normalement ça passe. C'était bio. Donc, je n'ai pas pris parce que c'était des bio, mais elles avaient l'air d'être vachement bonnes en fait, surtout. Ouais. C'est une photographie. Et alors, c'est les mêmes qu'il y a dedans. Oula, on est tout blanc. Il y a eu du soleil d'un on coup. On ne sait pas. Bordaï Noodle. Alors, au bœuf pour Séverine, au curry pour moi. Ah, t'as pris au curry. Impeccable. C'est la dernière fois que je m'étais planté, je crois que je t'avais pris au poulet. Non, je sais plus. Oui. J'ai réussi. On ne me voit plus. Bon, ça c'est pour un midi. Donc, Juliette, je lui fais des pâtes à côté, hein, parce que nous, on adore ça, mais c'est hyper salé et c'est pas bon pour elle du tout, clairement. Mais elle est contente. Pour nous non plus, hein, mais. Non, mais bon, voilà quoi, on va y aller. On fait du stock, hein, maillot moutarde. La provision. Impeccable. Donc, ça c'est pour les salades, ah. pour. Alors, tout. La moutarde c'est de la mi-forte, la mayo c'est de la mayo. Ah. J'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Du riz. Du riz pour. Manger du riz, ou faire des salades de riz. Je crois qu'on a une salade de riz prévue dans la semaine en plus. Donc du coup, voilà, il n'y avait plus de riz. De quoi? Attends, les a camouflés. Mais c'est pas grave, on s'en fout, ça va pas au frais, ça. Ça va pas au frais, ça, c'est pour ça que c'est là. On s'en fout, vas-y. Tu veux que je les prenne? Ah. Pompote, non, on n'a pas d'action chez Pompote. Compote sans sucre ajouté pour un... Oui, bah, pour nos sorties, hein. Il nous en reste encore de la compote, mais on n'en avait pas suffisamment, donc avec de la à la Mirabelle. J'ai souvenir que Juliette avait bien aimé. Et les yaourts brassés, comment, pareil, pour quand on n'a pas de frigo pour conserver. Alors, il y a marqué une nouvelle recette validée par les enfants. Alors, on verra. C'est ce qu'on va voir. On verra. Juliette les aime de moins en moins, mais c'est les seules choses que je peux emmener quand on bouge. Pour une journée, je peux prendre des yaourts puisqu'on a une glacière, mais Disney, on y va 2 jours. Donc le deuxième jour, il faut impérativement que ce soit ce genre de choses, j'ai pas d'autre solution. Comme après, elle a du mal à finir, de toute façon, Piotr Mère, les gourdes, nous on prend toujours une gorgée ou deux à la fin, on goûtera aussi, on vous dira ce qu'on en pense. Ça, c'est pour Séverine, c'est son petit péché mignon en plus dans le muesli. Oh, c'est du chocolat noir, c'est bon, hein. C'est du bonus. C'est mes pépites de chocolat, j'adore. Voilà. Voilà, c'est tout.
On y est presque. On a repris du café moulu pour à la maison. J'ai voulu retester, je sais plus. le brésilien. De la marque Inter. Le planteur des tropiques, donc ouais. C'est la marque Inter. Il me semble que j'en avais déjà pris, qu'il était super bon. Ils mettent dessus subtil et fruité, donc on va voir. On verra bien, hein. On verra ce qu'on verra. Il est déchaîné aujourd'hui. Déchaîné. Du Lipton. Ah oui, ça c'était en promo sur Shopmium. Du Lipton thé vert aux agrumes. Ouais. Non, c'est pas thé vert celui-là. Ah si. L'autre c'est marqué normalement thé vert l'autre. Thé vert aux agrumes. On en avait acheté la dernière fois. Pêche blanche pour moi et toi c'était quoi? Citron vert? Citron vert, ouais. Ouais. Un citron vert menthe. Ah oui, c'est ça. On s'était régalé. Et du coup, bah, c'était le dernier qu'on n'avait pas encore utilisé de promotion dessus sur Shopmium. Donc, bah, ça, c'est pour Janek. Parce que moi, agrumes, je vais pas aimer, je le sais. C'est pamplemousse, je pense. Donc. Ça va, hein. Ouais, pamplemousse et citron vert, il y a marqué. Pour 100 ml, 4,7 g de sucre. Non, mais ils sont bons, ils sont pas trop sucrés, c'est hyper agréable et franchement, ça désaltère bien. C'est très désaltérant. Donc, du coup, voilà. Hop! Pas trop sucré, ça, je ne saurais pas le dire. Moi je trouve ça moins sucré qu'un iced tea classique quoi. Ah il restait ça, oui. Des tomates cerises. Ouais, les fruits et légumes. Je fais de la place. On est passé chez le maraîcher. Tomates cerises. C'est pour les... Normalement je vais en récupérer chez ma maman parce qu'elle en a des kilos et des kilos. Mais c'est pour emmener à Disney parce que je vais être manger un minimum de fruits et de légumes. Parce que clairement quand on va à Disney ou à Center... Bon, à Center Park on va y aller qu'une journée mais Disney va y passer deux jours et elle va manger frites et nuggets pendant deux jours. Donc... Pas top. PPT. Les avocats. Oui. Oui. Normal, c'est l'été. Ah, ils étaient à 49 centimes pièce. Donc c'est pour ça qu'on a pris 3. Hein, c'est... Au lieu d'en prendre 15. Non, mais je pouvais pas, ça on se garde pas. On les aurait mangés. Mais non. Allez, fais péter le reste, les fruits et légumes. Alors. Des bananes. Des bananes, des bougies. Que Juliette, vous mangez des bananes. C'est Madame Banane. Vous connaissez Madame Banane? Ben, c'est Juliette. Ouais. Banane. Elle aime bien. Banane. Oh putain, c'est tout pensé. Ensuite. Des kiwis verts. Ça, c'est pour ma maman qui vient dormir, bah, qui dort de nuit à la maison. Elle m'a dit qu'elle prendrait des fruits. Que si je n'en achetais pas. Donc, je lui en ai acheté quand même. Je suis pas une grosse radine. Hein. Par contre, ouah ! Il est tout mou ! Ah, faut le manger tout de suite. Oh, j'ai pas vu. Dommage. Il est tout mou. Bon, bah, est-ce qu'il va tenir jusqu'à demain matin ? On verra bien. T'étais étalé. Ah, ouais, non, mais en fait, j'avais pas vu. J'ai pris deux kiwis abîmés, quoi. Ah bah bien joué. J'ai pas fait attention, j'en ai pris deux dans le bac. Regardez-moi ça. Je suis ravie. Ah bah c'est pour ça les 49 centimes. Je viens de foutre 1 euro à la poubelle. Ok. Tu crois qu'on leur ramène? Non. Ça sert strictement à rien. Nectarines, elles étaient pas données, mais Juliette aime ça, moi aussi. Donc du coup, voilà, des nectarines blanches. Team nectarines blanches, pour ceux qui suivent. Des pommes. Des pommes. C'est pour la salade. Surimi pomme. Les pommes, elles sont super chères en ce moment. Bon, après, c'est pas la saison, c'est vrai. Mais voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Janik? Ah oui. Et des prunes quetch vrac, si vous arrivez à lire ce qu'il y a sur l'étiquette. Barré. Dans ce sens-là. Voilà, comme ouais. Ça. Qui n'en sent pas? Non, mais en fait, elles étaient à 3,39€ en rayon. Je les ai pesées à la balance et quand je les ai pesées et étiquetées, il y avait marqué 3,99€. Donc du coup, j'étais voir la dame en rayon, je lui ai dit écoutez, c'est pas le bon prix. Elle m'a dit ah bah je vais voir, ah bah oui en effet. Elle revient, elle les pèse, elle met quetch, les moins chers en fait, à 2,49€ le kilo. Et elle me colle l'étiquette et elle barre et elle me dit c'est bon. Je les ai payés presque 1€ moins cher le kilo. Alors si vous voulez, entre les caisses qui sont vides, entre les fruits qu'on prend qui sont abîmés je suis dégoûtée, de base hein, et qui vendent quand même... on trouve aussi les prix qui n'existent pas. C'est ça. Hein. Les balances sont pas réglées. Et elle me dit, je comprends pas pourquoi après, c'est pas bon. Bah, elle met en rayon. Elle a été sympa, hein, y a pas eu de soucis là-dessus. Elle met en rayon. C'est pas elle qui décide des prix, c'est pas elle qui décide des stocks. Hein. Non, c'est certain. C'est tout ? C'est vide ! On a fini ! Non, fini ! C'est bon. Ticket de caisse, donc sans en-tête. Évidemment. Alors sur Shopmium, si votre ticket de caisse il a pas d'en-tête, il passe pas. Elle venait de changer du le coup, rouleau. Voilà. Je vais découper une en-tête d'un ancien ticket de caisse que je dois avoir et je vais le coller à la place parce que autrement je pourrais pas me faire rembourser le thé et les steaks végétariens de chez. Mais on voyait qu'elle galérait. Hein. Mais elle venait d'arriver, je l'avais jamais vue. Hein. Quand on entame un nouveau rouleau, on le déroule un petit peu pour être sûr que ça imprime mais à ce moment-là. Ils sont un peu laissés. En fait, les nouveaux qui arrivent et tout, je les trouve qu'ils les jettent à la caisse et.
Donc voilà. Après, moi, j'ai travaillé en caisse dans un magasin de jouets. Et clairement, c'est vrai que quand on est nouveau, on vous explique. Vous ingurgitez, vous ingurgitez, vous ingurgitez. Et puis après, on vous dit, bon, c'est bon, t'as compris? Oui. Et puis une fois qu'on est à la caisse et qu'on galère sur des trucs, on n'a pas envie de demander toutes les deux secondes. Donc du coup, on fait ce qu'on pense qui est bien. Et c'est vrai, hein. On fait ce qu'on peut, on fait les bêtises. Bref, aujourd'hui, ça nous a coûté 108,78€ sans réduction. Ticket restaurant déduit, ça nous a coûté 92,18€. Sachant que les steaks végétariens à 3,50€, la boîte, la vache, ils sont vachement chers les steaks végétaux. Tu parles fort. Oui, mais tu te rends compte comme ils sont chers? C'est pour donner plus tu de poids. Tu te rends compte comme ils sont chers? Les bons duels, j'avais pas vu le prix. J'ai plus 8 sur 10. Donc 3,50€ x 2 et Lipton Green Iced Tea agrume 1,60€. Mais ça, je pense que de toute façon, même sans promo, on en reprend sans problème. Voilà, on est au-dessus de... On est à quoi? On est à 92€. Oh non, les avocats, ils sont pas passés au bon prix. 1,39€ en plus. 1,39€, c'était 49 centimes pièce. Voilà, donc 90 centimes de plus la pièce. Donc 2,70€ dans l'os, plus 1€ de fruits de kiwi imbouffables, ça commence à faire pas mal. J'étais dans mon petit cahier pour mon rendez-vous du 11 septembre. Voilà. Donc, ils ont intérêt à avoir un geste hein, parce que j'en ai marre. Hein. Au total, on arrive à 92€. Ouais. Et puis après, on va déduire. Moins les couches, la litière. Oui, voilà, les couches, on en a. C'est combien un paquet le de café, couches maintenant? C'est combien un paquet comme de couches? 6,93€ quand même. Hein. Il y a combien? 20 couches? 22? 25! Donc ça va nous faire 25 jours. Bref, et ben c'est tout, j'ai mis 1,15€ sur la carte. C'est limite risible. Franchement, c'est risible. C'est ridicule. C'est... Aujourd'hui, là, de ce qu'on a compté, on a perdu plus d'argent qu'on a mis. C'est ça, c'est ça. C'est ça. On essaie toujours au possible de prendre des produits Intermarché pour. Après, en réduction immédiate, on a eu. 2,62€ de réduction immédiate. Donc c'est la charcute. C'est tout. Bref. C'est les courses de la loose. C'est pas grave. On a fait une retour de course à deux. C'était cool. J'y arrive pas avec mon ticket de caisse à la course. Ça m'énerve. Ouais. Bon bref, j'espère que ce retour de course vous a plu. N'hésitez pas. Alors là, vous faites exploser. Là. Faites péter le les likes. Parce que si vous faites pas péter les likes, il y a à peu près 8000 vues sur nos retours de course. Si on n'atteint pas les 1000 pouces bleus. Je fais la tronche. Je veux qu'on pète les 8000 pouces bleus. Non, on n'arrivera jamais, les 8000, tu rêves. 1000 pouces bleus pour ce retour de course. Ou 10 000 vues sur la vidéo. Ou 10 000 vues sur la vidéo, oui, mais on peut partager, pas... Oui, voilà, partager... Parlez-en en fait, à des amis. Plus vous likez, plus vous commentez, plus la vidéo apparaît sur YouTube. Voilà. Et l'algorithme YouTube. Bref, non mais juste, c'est pour notre petite satisfaction personnelle, hein, 1000 pouces bleus, j'ai encore jamais fait. Et... Abonnez, partagez, commentez, likez, et puis c'est tout. Prime. Bref, allez, on va arrêter là parce que le retour de course il va être suffisamment long. Je ne sais pas à quelle heure vous allez l'avoir parce qu'entre temps, nous faut qu'on aille chercher notre fille. Hein, donc... Ça aussi, c'est la loose. Hein? Vous allez chercher notre fille? Non, qu'on ne sait pas à quelle heure vous allez l'avoir. Ah, mais c'est pas grave, vous l'aurez. Je parle trop vite, j'ai toujours un train de retard. Hein. Bref, en attendant, il ne me reste plus qu'à nous faire, à nous faire plein de gros bisous. Tu vois, tu parles trop vite. Je te fais des gros bisous. On recommence pour moi? Bref, il ne nous reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Mouah ! Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !